Alors, les ambitions de l'association, c'est un petit peu une liste à l'après-verre, vous allez voir. Et je pense que c'est des souhaits, où c'est aussi, on peut aussi le voir de manière plus pratique et se dire que c'est notre feuille de route pour les 10 ans à venir. Donc, ça, c'est les mots contre lesquels certains, il faut lutter contre l'errance. Peut-être aller vers plus de prévention, améliorer la qualité de vie, l'espérance de vie et la coordination pluridisciplinaire. On en a vu des exemples aujourd'hui. Donc, en 2032, quand on fera ce congrès, moi, je ne serai peut-être plus là, mais je pense que certains le seront, l'amylose ne sera plus un mot inconnu. On a vu dans le témoignage d'Alain ce matin que quand il a entendu le mot amylose, il a écrit « ami » comme copain et « lose » après. Donc, amylose, ce sera un mot que tout le monde et tous les médecins connaîtront. Et les médecins traitants n'hésiteront plus à suspecter l'amylose et réussiront à l'adresser aux bonnes personnes parce que tout sera bien fléché. Donc, un plan de prévention, de l'anticipation et des tests prédictifs, ce serait quand même une belle avancée. Ça nous permettrait d'aller vers, effectivement, une prise en charge précoce et une amélioration de la qualité de vie des patients. Le diagnostic, eh bien, des tests génétiques qui seraient faits de manière extrêmement rapide et extrêmement simple. Idem pour les dosages des chaînes légères. Et la meilleure connaissance de cette maladie permettrait de la suspecter très facilement, comme on le voit, les médecins traitants suspectent un cancer de manière assez rapide et assez simple. On pourrait se dire que dans l'amylose, on aurait aussi une suspicion rapide. Et le maillage territorial serait parfaitement identifié par tous les acteurs, puisqu'on l'a vu dans les différents témoignages, on a encore parfois des trous dans la raquette sur certaines régions, parce que les médecins ne connaissent pas les centres de référence qui font pourtant tout ce qu'ils peuvent pour être connus. Donc, les traitements de l'amylose en 2032, pour les formes héréditaires, on réparerait le gène, donc de fait, la maladie disparaîtrait. On pourrait aussi, on espérerait avoir des traitements qui puissent agir sur des dépôts tels que dans l'œil ou dans le cerveau, puisqu'actuellement, rien ne fonctionne sur ces organes. Et puis, dans les amyloses AL, essayer d'aller au plus vite, c'est déjà le cas, et on a vu que les choses s'améliorent déjà, de manière à éviter des atteintes d'organes sévères, puisqu'on voit que là, c'est un petit peu plus compliqué. On a vu qu'il y avait des pistes pour des traitements qui retireraient les dépôts dans les organes. Mais en 2032, on peut espérer que ce soit le cas et que ces produits existent et soient efficaces. Mais n'oublions pas qu'il y a quand même aussi des formes d'amylose qui n'ont aucun traitement actuellement. Et je pense que ça serait vraiment bien qu'on ait du développement de la recherche sur ces formes d'amylose rares qui ne bénéficient d'aucun traitement. Le parcours de soins, on a vu que le parcours est parfois complexe parce que c'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire. Donc, les centres de référence manquent de ressources, on en a déjà parlé. Si vous aviez des gens qui coordonnent et qui prennent les rendez-vous et qui organisent les soins, ça serait peut-être aidant pour vous. Et en tout cas, ce serait aidant pour les patients d'avoir quelqu'un qui les aide à coordonner leur rendez-vous et leur prise en charge. Une prise en charge holistique qui inclut tous les professionnels de santé, psychologues, diététiciens, serait aussi importante pour améliorer la qualité de vie au quotidien des patients. Donc, pour cela, parce qu'on a dit effectivement, les médecins traitants ne peuvent pas connaître toutes les amyloses et toutes les maladies rares, c'est impossible. Peut-être qu'il faudrait leur donner plus de temps pour faire des consultations un peu plus compliquées, des moyens pour le faire, une formation, écouter les plaintes et les signaux faibles, parce que on a vu que parfois, c'est simplement, ça a été dit, comme dans les jeux, d'être capable de relier les points et ça permet de faire le diagnostic. Et tout ceci améliorerait grandement, je pense, la vie des patients atteints d'amylose et réduirait leur fardeau. Voilà.